Allez, la sélection des Kerso. Koko-san qui ne changera pas de team avec Kim, Mister Karate Yuri. Tom Sawyer qui s'élance avec Mister Karate Kim déjà dans sa team. Ce qui va penser à faire un petit counter pick. Certains joueurs dans le public scandent le nom de Robert Garcia. Mais il aura pris Kim Kapwan comme striker. La King of Fighters 13, Kesho Sen, Lady Fighter! Ready, go! Allez, c'est parti, Kim contre Mister Karate! Tom Sawyer donc a décidé de prendre Mister Karate en 1, le Kim en dernier, l'enchaînement de light, c'est bien joué, la mise à terre avec le Hangetsu-san aérien, le stand-by Hangetsu-san, c'est dans la garde, le Barra qui punit, bien joué, avec Yokurambe qui est lancé. Pour le moment l'avantage, le Yex Hangetsu-san qui se fait casser, le Kouken pour Tom Sawyer qui a une bonne garde pour le moment. Et qui arrête bien les assauts. Ah, le Yetchipu qui a en l'air. La balayette, la mise à terre à nouveau. Le stand A en B. Il n'y a pas de Yenzan, c'est dommage. La déchoppe pour Koko. C'est bien vu. Balayette, Koken en 2-in-1. Koken, il n'y a pas de rattrapage. Yenzan sur sa relevée. Une bonne garde pour Koko. Voilà, le Yex Yenzan qui passe. Deux points avant à Yenzan. Il a voulu le carotte. Il se fait choper. Rionel qui est très content de la performance du premier round de Tom Sawyer. Mais il en reste encore quelques-uns des rounds avant de crier la victoire. Et donc Koko qui va donc sortir son Mister Karate. On va voir qui a le meilleur Mister Karate. Le combo HD qui est lancé. Hey, 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 hey. Pour le moment c'est l'avantage à Koko, mais... Ah, il rate. Oh, Koko qui ne fait que la chape. Le cross-up qui est trouvé, Babé Stenbe. Ça va être très dur. Tom Sawyer donc qui va sortir son chin sur une ouverture, ça risque de faire mal. Car Koko a quand même déjà deux barres en stock. La moitié du drive sur CD qui touche l'enchaînement de light. Le break. Oh, il voit juste devant lui, il a rien fait. La max qui part. Todo Meja. Koko qui unleash et qui est content. Allez, le saut CD qui fait mouche. Le saut D essaie de rattraper Shin. Faut pas le laisser boire, Koko. Voilà, sauvé. Le cross-up qui est trouvé. Le décalage TLB. Mais carrément, kick X qui passe. Le combo, le juggle, mais qui est un peu raté. C'est un peu brouillon tout ça. Mais ça donne le round à Tom Sawyer. Et il reste donc Yagami qui doit avoir full drive. Voilà, deux barres. Va falloir être très intelligent dans la décision d'utiliser ses drives pour Koko. Mais par contre, pour Tom Sawyer, va falloir monter son drive pour être un peu dangereux. Allez, CD qui fait counter. C'est même pas. Ah, la punition, mais elle est pas au rendez-vous. Le car arrière qui touche. Yes, caravan kick qui fait mouche. Il reste très peu de vie à Koko. Stance, le cross-up qui ne passera pas. Ah, et le combo. Et la max qui va tuer. Chine. Koko à qui il reste le drive. Sûrement au moins une barre de furie. Et qui va affronter le Kim Kapwan. A voir qui va avoir une bonne garde. Kim Kapwan qui a 0 furie, une demi-barre de drive. Le standy qui touche le saucé. Ah, pourquoi le dragon? Allez, Hangetsu-san qui met à terre Koko. Fardé, Bappé, Stenbe. Hangetsu-san il connaît pourtant la phase, il prend Kim aussi. Le Stenbe, Yex Hangetsu-san, c'est dans la garde. Le parfait. Ah, le combo HD, Atsudo. Ah, il rate. Et la main. Combo amore était. Devoku. Koko-san no shori desu. Purée. Oh là là, c'était mytho.
Oh là là, franchement, et c'est quoi ce reset mytho là? C'est là que Amine, il aurait dû envoyer les jambes. Oh là là. Ouais, mais ça me vénère ça. Il aurait dû le faire normal. Déjà, il doit pas tuer le Shin. Oh là là, faut pas craquer comme ça. J'ai dit, comme je vous ai dit, coucou, franchement, il est pas tournament type, il foire un peu, du coup. Du coup, ça, il est friable, j'aurais dire. Il est frionnable. Là, ça va être dur, hein, ça va être dur pour Frio. Il faut qu'il joue sans ses maladies de bourré. Face au japonais, qui lui fait que des carottes anti-bourrance. Toujours le câble HDMI, hein, on en revient toujours au... on en revient toujours au fondement. Le fondement de qui, d'ailleurs? Voilà, Amine Tom Sawyer qui avait super bien joué jusqu'à ce qu'il faille gagner, en fait. Jusqu'à ce qu'il faille gagner, et bah non, c'était pas bon. Oh là là. Ah, ça peut être le dernier match du tournoi là s'il gagne. Oh là 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 là. Ça va être dur. Alors qu'est-ce qu'il va nous sortir, Frio? Le select screen est là. Choisis ton menu. Faut savoir que Kapetsu joue souvent avec Gosho. Et Gosho, il joue Shin. Alors peut-être qu'il connaît bien. Alors du coup, est-ce que c'est un joueur judicieux contre Shin? Ouais, dans le doute, Robert, hein, je pense que c'est le mieux. Robert qui tue le tueur de top tier, comme on le sait. Ah, il prend quand même son Shin, alors il va faire le mind game inverse dans l'inversation. Pourquoi pas? Et qui va prendre le dernier? Il va prendre Shen. Non, arrête, il va pas sortir son Shen du cœur. Moi, je pencherais plus pour un duo court. Bah normalement sa team du cœur c'est Diolone Kada Shen, hein. C'est... Ouais, hop, Kada... Il prend le Shen! Le Shen nébulaire, nébuleux! Ça se serre la main. Waouh, il a sorti son Shen! Oh bah ça, bah, ça va être incroyable! Mais il a pris son Shen! Bah oui, ah il veut pas le stage des Arabes Kiametsu. Oui, oui, voilà, il a entendu Kametsu, il s'est retourné. Allez! Allez, le Shin en 1, c'est toujours un choix judicieux. Shin tout court, voilà, il a fait course, gros point, pas de mind game, c'est passé. Bim, bam, bim, bim. Voilà, t'es dans le coin, qu'est-ce que tu fais? Ah là, un petit frame crab, c'est pas mal. La stèse de Luigi Jambis, la punition. Ah, la chop, y'a pas mieux, chop, chop, chop des chops. Il faut sortir du coin, voilà, il a réussi à sortir du coin. Allez, c'est à son tour. Ouais, les combos après la chop, non, il faut garder le drive. Ouais, la bonne carotte. Oh là là, c'est dommage, il l'avait bien carotté, la Frio, la 2 frame. Oh les bras, ça rate pas, hein. Oh allez, bien joué, c'est boule d'amine qui tue. Il a voulu lui faire la boule d'amine qui tue. Oh là 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 là, dommage. Dragon bien bourré là de Kametsu. On la lui fait pas. Allez, le Wajai en 2. Pourquoi pas. Et on voit, allez, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait carrière, on va se tuer les boules. Course gros point, alors qu'il a pas la max. Donc voilà, course stop qui est passé. Allez, une petite phasouille derrière. Il se relève en gros point, il bourre. Et il ratatame des fois. Là, on finit avec le Kyo, sans trop gâcher de ressources. Là, il est bien Frio. Le Yori. Yori flamme de... Voilà, les balayettes, machin, il faut confirmer les glissades au bout d'un moment quand même. Le gros point s'est passé, il faut... Enfin, c'est passé, c'est l'idéal, il ne peut pas prendre l'avantage normalement. Oh, le max mode qui est trouvé là-dessus sur un saut au pif. Allez, Javon. Oh, il rate, allez, c'est bon, c'est à toi de max mode, toi tu rates pas. Là, voilà, dive, truc, explique, Oh, il a mis la max, il a choisi un reset. Pourquoi pas? Mais
limite, il fallait quand même en finir. Allez, le truc qui connaît pas, dive. Voilà, c'est bien joué. Ah, oulala, il a pu punir. Non, mais sur la descente, là, devant la logue. C'est dommage de faire des resets, de pas envoyer des max. Pour après, pas gâcher les barres en plus de Hex en gros. Oh là là, c'est la panique, ça part partout, Easy Dive. Le tir avance comme ça, Break CD partout, je suis nulle part. Oh là, le Break CD encore, là dans le coin, mais c'est la maladie Break CD sur Break CD. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Les mecs, ils veulent pas gagner. Oh là, tu vois, on voit la souplesse de la jambe et le cross-up du 1. Le cross-up du 1. Et oui, le monde, c'est le 1. Le cross-up du 1 de Kametsu. Purée, ils ont gâché toutes leurs barres en voulant se tuer l'un l'autre. Ah non, Kametsu, il a encore, il a son max mode. Oh, il s'est complètement refait la cerise. Le chêne, il est complètement... Oh là là, ce rattrapage de coaster au point et qui en finit en gratte. Bien joué, bien joué, bien joué. Mais là, il me semble que la Yuri est bien quand même niveau barre et que ça va être dur pour le chêne. Ah là là, en théorie, moi je trouve que c'est plutôt pour Shen ça. Mais s'il connaît la magie du sobé et des entourloupettes. Oh, il a la stand B. Oh, il a raté. Oh, Dragon, la tire, c'est bien joué. Ah, il se relève en backdash et il prend une pulse gros point shop en mind game. C'est bien joué ça. Ça, c'est un peu mal joué quand même. Il a gâché son max mode. Il s'en fout. Oh là là, Fio, on fait quelque chose dans le coin. Oh là là, Dobby, il rattrape tout, il transforme tout. Ren se perd, il transforme explosion. Il est passé en mode fou. Alors, est-ce qu'on va voir le droit au babé babé? Activation de max mode, le classique de Fio. Pas gros point. Oh là là, costume de. Est-ce qu'il va se le douiller? Oh là là, Fouaki. Oh là là, gros point. Oh là 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 là. Super bien joué, victoire de Kametsu qui lui a fait la carotte anti-backdash à l'infini. Il l'a pris Frio. Arrête de bourrer le backdash à la relevée. Il l'a croqué. Oh là là, il met le boîte le jab. Il t'a mis la carotte.